Thank you.
Stagiaire, quel est votre parcours professionnel? Thank you.
Vous devriez peut-être apprendre à canaliser votre énergie, monsieur. Voilà, en effet, peut-être partir sur quelque chose de plus simple. Y a-t-il un réel projet derrière tout ça? C'est la question qu'on se pose tous. Oui, très bien. Ah oui, merci, oui. Prends tête, touche.
assistant metteur en scène à ce spectacle qui n'a pas été particulièrement créatif, mais qui a comme ça voulu parsemer de jeux de mots de mauvais goût que je dois situer ce spectacle. Bon, on a bien compris que tout ça a été agencé, tout ça a été un petit peu sous contrôle. En réalité, hein, bien sûr, vous êtes le créateur d'une double discipline, une espèce de biathlon d'un nouveau genre mélangeant les arts ménagers avec les sports de combat. Est-ce que avec un jeu de cartes, un autre 52 cartes. Les 52 cartes, c'est déjà tout un symbole. Par exemple, ce qui va se passer normalement, ce qui se passe normalement dans les conditions de club, c'est-à-dire pour quelques personnes, là vous êtes plus ou moins 300, on a pris un écran. Alors, comme je le disais, 52 cartes, c'est tout un symbole, 52 cartes par exemple, comme 52 semaines dans une année. Si on...
qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout ton moment en plus. Il s'est fait mal? T'as fait mal? Oh. Oui? Ah, bon bah, remportez-le. Il s'est fait plaquer la semaine dernière, donc comme quoi l'histoire se répète. Alors, 52 cartes comme 52 semaines. Comme je le disais, je vais finir ma phrase. Hein. Si on prend rouge et noir dans un jeu de cartes, bon bah, le jour et la nuit. Et si on prend par exemple les figures. Si on prend les couleurs d'abord, pique, cœur, trèfle, carreau, 4 comme les 4 saisons. On prend les figures, il y en a 12, puisqu'il y en a 3, valet, dame, roi, multiplié par 4, 12. Donc c'est comme les 12 mois dans une année, hein, on commence à se rendre compte que c'est un peu dingue. Et si on additionne 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, c'est ça, non? 10, 11 pour valet, 12 pour dame et 13 pour roi, multiplié par 4, on obtient 372, ce qui ne correspond à rien, c'est de la merde. J'applaudis, ça marche pas, c'est bizarre. Par rapport à ce qu'on va faire là, je vais avoir besoin de quelques spectateurs. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous. Par exemple, vous seriez venir avec moi, vous monsieur et vous monsieur. On les applaudit bien fort. On s'en occupera tout à l'heure. Bonjour, quel est votre prénom? Quentin, et vous? Emeline, venez à côté de moi. Alors, Quentin, Emeline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup utiliser un jeu de cartes. Tout le monde voit bien, oui, ça va? Oui. Okay, les gens sont décédés ou morts, mais ils ne répondent pas. Ce qu'on va faire, tout simplement, par exemple, Emeline, rapidement, je vais poser les cartes comme ça et vous dites stop. Ce qui est très fort, c'est qu'on est quand même devant 600 personnes. Et la personne arrive à avoir la pensée suffisante pour se dire non, mais il y a déjà eu des longueurs dans ce spectacle, on va en rajouter une à ce moment-là. Vous montrez que vous êtes une femme de caractère et ça se voit plus rapidement que nécessaire. Oui? Stop ici? Celle-là ou celle-là? À gauche? Ma gauche, ta gauche? Ta gueule. Alors, vous allez regarder la carte, vous allez la regarder tout simplement. C'est bon? C'est bon, vous l'avez vu? Oups. Ok, vous l'arrêtez. Tout le monde l'a vu? Personne ne l'a vu, évidemment, vous êtes trop loin. Mais par contre, si je mélange comme ça, hop, tac, boum, normalement, il y a une seule carte qui arrive, mesdames et messieurs, à l'intérieur de ma veste. Et cette carte n'est autre que le 10 de carreau. C'était votre carte? Non. Non plus. Donc, pardon, en fait, à l'intérieur de ma veste, regardez bien, j'ai tout le jeu, et ici, j'ai plus qu'une seule carte, quelle est votre carte? Hop, ça commence, voilà, on commence avec une seule. C'est la concurrence. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous connaissez pas un tour en particulier qu'on pourrait faire? Tenez, on va faire autre chose. Vous aussi, vous me dites stop. Stop ici. Allez, vous allez regarder la carte, et vous aussi vous allez regarder la carte après, d'accord? Mais vous retenez juste le chiffre, pas piqueur très carreau. L'idée c'est de retrouver le carré. Par exemple, si c'est un as, on essaie de retrouver les 4 as. Si c'est un 2, on essaie de retrouver les 4 2. Alors, vous, en fait, on va pas faire les deux. C'est vous qui allez décider. Par exemple, votre valeur c'était. Sur une des rares personnes qui ne joue jamais au cartes. Le cas, c'est vrai? C'est pas grave, on va bien s'entendre quand même. Enfin, c'est le de notre comportement. K, tout va bien se passer. Et 9, qu'est-ce qu'on fait apparaître les K, les rois, en fait, c'est les rois, le king. Sans anglais, c'est bon. On met un K pour dire anglais, le king. Heureusement, vous ne l'êtes pas tombé sur la reine. Choisis 9, c'est quoi? Lion King. C'est quoi? 9, sûr? Ah ouais, c'est vrai? Ah, j'aurais pas fait ce choix-là, ouais. 9, ok, on fait les rois. Alors, regardez, si je fais ça, normalement, on fait les rois, parce que 9, c'est un peu grand. Les rois, c'est mieux. Ok, si je fais ça comme ça, je peux obtenir le premier roi. Le premier 9, on fait avec les 9, ok, je pense que le... je vois que ça te fait marrer. Si je fais ça, le deuxième 9, non. On le fait avec les rois. Ok, donc je pose les rois, et du coup j'essaie de retrouver le troisième roi qui, je pense, est ici. Mettez-vous juste un tout petit peu là pour que les gens qui sont sur le côté puissent voir. Je pense que le troisième roi, non. On le fait avec les neuf. C'est compliqué. Ok, attends, on les repose, et je vais essayer de trouver le dernier neuf qui, je pense, est ici. Non, vous savez quoi? On le fait avec les rois. Merci beaucoup.
été neuf. Ça va, ça vient? Oui. Arrête de nous poser des questions. Bah, souvent, les personnes âgées sont un petit peu virulentes du point de vue de droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les cartes. Vous m'avez mis un chiffre qui dit 4. Ok, je vais essayer de retrouver les 4, mais avant, je mélange. C'est pas particulièrement drôle. Alors, pardon. Parce qu'en fait, il y a la sueur aussi, des projecteurs, pardon, qui font. Ah. Bon, c'est les 4, tant mieux. Alors, on va utiliser les 4. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre à l'intérieur du jeu. J'en mets un ici, j'en mets un deuxième ici, j'en mets un deuxième ici, j'en mets un troisième ici. Et je. Et normalement, en faisant ça, hop, les 4 ont disparu du jeu. Je sais que tu t'en fous, mais regarde bien ce qui va se passer. Si je vous dis par exemple que le premier 4 est apparu ici, à l'intérieur de l'étui, juste ici, si je vous dis que le deuxième est sur l'étui, oh, Emeline ne comprend rien à ce qui se passe. Comme ça, hop, quelqu'un dit stop. Ok, hop, on se retrouve avec le troisième 4. Dites-moi stop. Hop, quatrième 4. Voilà, hop, c'est un petit voyage, histoire de. Un dernier. En fait, le co-metteur en scène de ce spectacle, enfin l'assistant metteur en scène, m'oblige non seulement à faire de genoux pourris, mais en plus à placer des mots avant chaque spectacle en me menaçant de ne plus jamais avoir de rapport charnel. J'aurais peut-être pas dû le préciser. De rapport social avec moi, tant que je ne placerai pas les mots, on se croirait au collège. Pardon, c'est votre sein. Je vais placer les cartes comme ça, face en l'air et face en bas. Ça n'a l'air de rien, mais c'est déjà un tout petit peu le début d'un chaos. Là, on pourrait se dire que c'est pas encore vraiment mélangé. Mais si je les alterne comme ça, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, face en l'air, face en bas, on commence à se dire peut-être que ça commence tout doucement à devenir chaotique. Si j'alterne comme ça, si je mélange les faces en l'air avec les faces en bas aussi, si je fais comme ça et que je mélange tout, et si je fais comme ça, je montre qu'il y a des cartes face en l'air, qu'il y a des cartes face en bas, qu'il y a des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Quel était votre chiffre déjà? Le 4, on garde le 4? Oui? Ok, je vais essayer de retrouver les 4 dans un jeu qui est mélangé face en l'air et face en bas. Emeline, ça va peut-être trop vite pour vous. Regardez, attention, premier 4, ici. Deuxième 4, je serais plutôt vers le premier tiers du jeu. Je dirais que le troisième 4, il est plutôt vers la fin, ici. Et je dirais que le quatrième 4, je vais faire apparaître sans regarder. Alors, je sais que c'est un 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on compte 1, 2 et 3, on se retrouve avec le quatrième 4. Et si je souffle sur le jeu, toutes ces cartes reviennent exactement dans le même sens. À côté, je sais pas si vous êtes. J'arrête là, parce qu'en fait j'ai déjà eu des problèmes en imaginant que les gens étaient en couple alors que pas du tout, et du coup en plus il y a quelqu'un qui les connaissait qui était dans le public et ça aurait fait un bordel. Donc j'ai pas respecté cette erreur, alors en fait, quelque part en expliquant, je l'ai déjà fait. Bonsoir, quel est votre prénom? Mélissa. Bonsoir, Thomas. Ok, alors allez-y, venez ici. Tenez, Mélissa, Thomas, venez ici. Mais gardez vos places. Non, mais vous pensez que vous allez partir avec Emeline? Tu n'as pas fini avec moi, je t'assure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, Mélissa, Thomas, etc. Vous prenez une carte. Allez-y. Vous prenez une carte aussi. Vous prenez une carte aussi. Oui, vous aussi. Essayez de voir la carte d'une façon française. Essayez de la visualiser et de la comprendre. Ce que vous allez montrer la carte à la caméra. Alors, si vous la montrez comme ça, évidemment, vu que la caméra n'est pas là, personne ne va voir ce qui se passe. Vous allez orienter votre poignet d'un quart de tour, ce qui va permettre directement à la caméra de visualiser et de donner la possibilité aux gens que ça intéresse, s'ils ne sont pas nombreux ce soir, de visualiser les cartes sur l'écran. Oh, les alcooliques sont présents ce soir. Elle vous plaît? Vous voulez... Non, merde, c'est celle-là? Non, je te promets, je te promets. Bon, vous avez une carte en tête. Ok, c'est ça qui est important. Elle vous plaît? Ok, super. Si elle vous plaît vraiment pas, on change. Allez-y, vous reposez votre carte. Allez-y, super. On s'en fout, vraiment, c'est pas très important. Vous aimez beaucoup créer un faux rythme dans le spectacle? C'est comme votre... Ok, super. Et pardon, votre carte aussi. Ah non, vous l'avez en tête, vous l'avez pas prise. Ok, je vais essayer de retrouver en premier votre carte. Hop. Je pense que votre carte, cher monsieur, je dirais que c'est le 8 de carreau, c'est ça? Yes. Tout le monde s'en fout. Hop. Et vu
que je veux, je vais déchirer la carte. je vais essayer de retrouver votre carte. Mélissa, je pourrais chanter une chanson, mais je ne vais pas le faire. Mélissa, je vais vous demander de me dire, en fait, dites-moi le nom de votre carte. Ah, oui. Vous pouvez faire semblant de le dire, mais du coup, je vais vous reposer la question, ce qui n'aura pas un grand intérêt. Valcaro, sûr ? Alors, ceux qui ont un rire bizarre, essayez de rire en même temps que les autres, sinon ça va. Ok, mesdames et messieurs, si je fais ça, normalement, la carte déchirée se retrouve à être un valet de carreau. Merci beaucoup, merci. Au-dessus de la table pour que tout le monde voit. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive au morceau ? Vous connaissez quand c'était votre carte ? C'était votre carte ? Ah, quelle était votre carte ? Votre carte était le de carreau ? Pour de vrai ? Non, non, c'est sûr ? Ou sinon, on fait avec nous. 9 de carreau ? Ok. Ok, non, mettez votre main ici, À 3, vous allez lâcher la carte. Juste ouvrir votre main. On va pas vous demander beaucoup plus de choses. Ouais. 1, 2, 3, ouvrez la main. Il y a vraiment une carte, regardez bien, c'est reconstitué. Et cette carte, regarde ça va. Et cette carte, c'est au 2, 9, 2, 4. Vous avez une carte dans votre tête. Ok, est-ce que votre carte est rouge ou noire? Je ne sais pas si vous avez changé de carte, en plus, si elle vous plaisait ou pas, non, elle vous plaisait, je ne sais plus. Dites-moi si la carte que vous avez en tête, c'est du cœur ou du carreau ? Ah, c'est pas... Oh, du cœur, carreau ? Ok, dites-moi si votre carte était une figure ou un chiffre ? Ok, j'en sais rien, en fait. Peut-être que vous n'avez pas changé, peut-être que vous avez changé de carte en tête. Quelle était pour la première fois, vous l'avez dit à personne, la carte ? Quel était le nom de votre carte ? 10 de carreau ? 10 de carreau une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Merci. Mesdames et messieurs, ce sera le final de ce spectacle. Non.
mesdames et messieurs, on fait une petite pause, une petite parenthèse dans ce spectacle qui n'était pas prévu pour reparler d'Oscar qui malheureusement a chu, en plus pendant un moment qu'il n'était pas dans le numéro, rappelons-le quand même. Et donc ce qui s'est passé c'est que... En fait, je suis tombé à cause d'une paillette. Alors, très important, voilà, non, mais c'est pour parler de l'effet papillon, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que quelqu'un fait tomber des paillettes alors qu'on avait dit qu'en mettre, et du coup fatalement vu que toi tu ne t'entraînes jamais avec des paillettes, hein, quand on est en centre d'entraînement, il n'y a pas de raison particulière de poser des paillettes, oh, ce soir je vais le faire avec des paillettes, pas du tout, mais vu que les paillettes glissent et que les rollers aussi, ça fait double glissage, et fatalement, bien c'est la chute, et là en l'occurrence, apparemment tu t'es quand même, tu t'es quand même bien accroché quoi. Normalement le numéro ne dure pas du coup deux secondes et demie, hein. Normalement c'est tout un phénomène, c'est-à-dire que la personne, on peut le dire quand même, tu tournes comme ça sur cet axe-là, puis ensuite ça brille et ça tourne sur cet axe-là. Puis un espèce de mélange des deux, comme ça, qui fait une espèce de... En utilisant la force, sans centrifuge, sans tripel, un espèce de truc technique, comme ça, que personne ne comprend. Et bon, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de le voir ce soir. C'est dommage. Mais... Oui, ouais, je voulais juste préciser que je suis tombé à cause du bruit. Oui, je pense qu'on l'a compris. On l'a compris, Oscar. En l'occurrence, t'as de la chance. T'as de la chance parce que voilà, j'ai moi en l'occurrence plusieurs casquettes à tricolore métier. Des fois on me demande de réparer un truc, bon bah je trouve quelqu'un qui le fait. Enfin, je peux aussi produire des choses. Et en l'occurrence j'ai aussi fait une formation d'escroc, enfin de kinésiologue, c'est le mot précis. Et du coup je peux peut-être essayer de te réparer d'autres trucs. Alors quand je touche comme ça tu ne sens rien. Et quand je touche comme ça tu ne sens rien non plus. Bon, le bilan n'est pas hyper positif, mais si je travaille, tu vois, je vais travailler là au niveau des ligaments croisés, c'est-à-dire que je vais décroiser les ligaments pour les recroiser plus tard. Alors peut-être pour ceux qui ont fait médecine en première année, puis finalement qui n'ont pas vraiment eu leur première année parce qu'ils étaient bourrés à faire la tête tout le temps et qui finalement ont fait dentiste ou kiné, c'est pour ça d'ailleurs que ces gens sont souvent odieux. Je vais essayer, voilà, attends, je vais souvent essayer de travailler là-dessus, voilà, attention, hop, voilà, hop, tac, ça me fait une belle jambe. Deuxième jeu de mots de Patrice, assistant metteur en salle à ce spectacle, qui, bon, de façon éhontée, cherche à toucher des droits d'auteur sur ce spectacle, il n'en touchera pas. Patrice, alors, je ne suis pas mécontent de mon coup, c'est plutôt net, c'est plus voilà, c'est quand même un côté assez propre, c'est nous comme un oignon. Patrice, arrête-toi s'il te plaît deux secondes. Bien, si tu apprends à marcher là, parce que certainement tu vas faire de la rééducation avec, je le rappelle, l'argent de nos impôts et du contribuable, tu vas t'apercevoir qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que tu vas marcher et tu dis, ah, ça c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un talon plus haut que l'autre. Et c'est tout à fait légitime, parce qu'il mesure presque plus d'un mètre. Donc ce que je te propose, même pour faciliter le transit, parce que tout va se déplacer par ici, après tu bon, ça va foutre le bordel. Si je fais comme ça, attention, 1, 2, hop, tac, boum, deux jambes, deux belles jambes, ça marche pas. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça dans un sac. Voilà, super. Voilà, on pose ça là-dedans. Voilà, dedans. Il y a encore un peu de nerf à l'intérieur, c'est normal. Ferme bien, ferme tout, sinon elle pourrait avoir tendance à s'enfuir. Dani, s'il te plaît, est-ce que juste tu me prends ça, parce que du coup, c'est maintenant, on va faire quelque chose, et tu le mets à un endroit. Il y a peu de chance, a priori, pour que quelqu'un tente de le prendre et puis il ne pourra plus s'enfuir tout seul. Donc tu peux le laisser. Maintenant, c'est une carrière plus dans le freaks qui s'ouvre à toi, voilà, qui est un milieu un peu petit, un petit peu plus strange, un petit peu plus underground. Hein, où ça crée de la fascination et de l'horreur en même temps. Mesdames et messieurs, vous vous demandez sans doute pourquoi je n'ai pas de t-shirt. C'est un choix de mise en scène, ce n'est évidemment pas moi qui l'ai fait, sinon j'ai quand même plutôt bon goût de manière générale. Et c'est un choix de la mise en scène, comme quoi on peut participer à un spectacle sans forcément consommer tout ce qui s'y passe. Le metteur en scène m'a dit, c'est pour mettre en valeur le corps des autres. Et je pense que c'est...